Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien et moi je vais très très bien puisque aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment monter allez, 10 niveaux en 2 minutes, voilà, hein, même si c'est 11 niveaux, bref, j'arrondis à 10, ça fait plus joli pour le titre. Et bah écoutez, c'est parti, on va commencer cette vidéo. Et donc la première étape va être forcément de créer le compte. Je ne sais pas si je dois l'inclure dans le timer ou pas. Bon, en gros, j'ai pris une fille au hasard. On va prendre comme pseudo. Ça va mettre des parenthèses. On va mettre... comment on peut l'appeler? On va l'appeler Xena, tiens. Parenthèse Xena. Voilà. Voilà, parenthèse comme des fesses. Comme mot de passe, je vais mettre fleur. 1, 2, 3. Fleur. 1, 2, 3. Voilà, donc si vous voulez récupérer le compte, allez-y. Le premier qui voudra le récupérer, qui sera assez rapide, voilà, mettra son email, son mot de passe. Et nous arrivons sur le compte de Movie Star Planet. Merci bien de me respecter, Pixie Star. Amuse-toi bien, Xena, tout à fait. Tiens, je vais couper le son du site carrément. Oui, d'accord. Ok, Pixie Star, il n'y a pas de souci, Pixie Star. Et on va accepter Pixie Star. Voilà, vous aurez Pixie Star en ami. Bon, bien sûr, ce qui est intéressant, c'est de prendre la quête. Moi, personnellement, je la prends uniquement pour prendre tous les cadeaux parce que moi, j'adore les cadeaux, tout ça, you know pas. Mais en gros. Voilà, en gros, je vais réclamer. On réclame tout. Voilà, on est très content de recevoir des cadeaux. Bon, après, pour la technique, c'est pas forcément plus utile, mais je trouve que voilà, déjà, vous récupérez les cadeaux. Ça vous donne quand même un niveau 2. Vous récupérez tous les cadeaux. Vous devriez être normalement ensuite niveau 3. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, 8 choses à savoir, il me semble, sur Movie Star Planet. Eh bien, tout simplement, il y a toujours deux cadeaux à récupérer sur la page du pack. Moi, je les récupère et je récupère tout le reste. Ça, surtout là, quand vous venez de créer votre compte, il y a tellement de cadeaux à récupérer partout. Voilà, on est niveau 3. Et ok, là, on est pas mal. On a récupéré tous les cadeaux. Et maintenant, pas de surprise pour vous, puisque nous allons ouvrir des petits cadeaux. Oh, mais qu'est-ce donc? Un t-shirt 50K? Tiens, on va ouvrir encore. Oh, encore un t-shirt. Oh, c'est trop gentil. Oh, merci beaucoup. Encore un t-shirt. 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 Donc là, j'ai ouvert 6 t-shirts. Avec 6 t-shirts, on est passé au niveau 8, à savoir qu'on peut aller jusqu'à 25. Donc moi, je vais aller jusqu'à 25. Là, je prends juste les petits cadeaux. On en parle de cette chance de malade de mon rare au niveau 10. Nous sommes aujourd'hui le 10 décembre, le 10 décembre, oui, le 10 décembre au moment où je tourne cette vidéo. La semaine dernière, nous avons eu les rares. Et comme rare, j'ai reçu des gants qui étaient la semaine dernière dans la boutique. Merci beaucoup, mon Visitor Planet. Je vous kiffe. Gros bisous à vous. XX Love. I love you very much. Je dirais pas non, parce que je veux pas que j'insulte, hein, mais bref, voilà, vous m'avez compris, on va aller prendre des rouges pour voilà, l'esprit de Noël. On a presque fini. Niveau 11 actuellement, on va prendre le pantalon là, puisqu'il est, il est cool. Et voilà, donc là, j'aurai ouvert 25 t-shirts. Et avec 25 t-shirts, bah, je passe au niveau 12. Donc déjà, avec cette technique, si vous avez un t-shirt, mais un seul, ça suffit. Moi, je m'en suis envoyé 25 d'un coup, parce que je peux... j'ai les moyens, etc., de le faire, mais vous pouvez très bien le faire avec un seul t-shirt et vous renvoyer entre deux de vos comptes. Voilà. Donc, ce que ça donne. Donc, nous sommes arrivés jusqu'au niveau 12 et est-ce que je vous fais une petite surprise? Bah, écoutez, j'ai bien envie de vous faire une surprise pour les personnes qui sont arrivées jusque-là et bah, de tout simplement vous... Qu'est-ce que je vais faire? Ah bah tiens, je sais ce que je vais faire. Oh mon dieu, c'est trop méchant. Parce que j'étais en train de me dire, ouais, si je vous fais la surprise à la fin, mais que j'ai déjà dit le mot de passe au début, la personne va prendre le compte, elle va pas remarquer. Du coup, retournement, revirement de situation. Vous savez ce que l'on va faire. Déjà, je vais prendre un truc au pif. Les trois trucs sont moches. Je vais changer le mot de passe. Voilà, je vais changer le mot de passe. Les gens, ils vont croire que le compte, il a déjà été pris. Donc, l'ancien mot de passe qui était fleur... merde.
j'ai mal écrit, fleur 1, 2, 3, va se transformer en mot de passe qui sera, qu'est-ce qu'on peut mettre, Kiki, voilà, Kiki, donc K-I-K-I, donc Kiki, 1, 2, 3, retapez le nouveau mot de passe, Kiki, 1, 2, 3, voilà, donc on enregistre le nouveau mot de passe qui a bien été enregistré. Et qu'est-ce que l'on va faire? Roulement de tambour. C'est bon, je suis allée récupérer la petite carte cadeau. Et on va utiliser une carte cadeau. Pourquoi je le montre en vidéo? Tout simplement pour que vous puissiez voir que le compte, déjà d'une, il n'y a pas de mail. De deux, tout simplement que je n'aurai pas de facturation vu que j'utilise une carte cadeau. Et je ne mets pas directement le VIP sur le compte. Donc je ne pourrai jamais récupérer ce compte avec la facture. C'est pour ça que je le fais en direct et utiliser la carte cadeau. Et ici, bam, donc si vous voulez, vous pouvez toujours essayer de retaper le code de la carte cadeau qui est ici, donc YFGKNUHQAH, voilà. Vous pouvez toujours essayer de récupérer ce code, même s'il ne marche qu'une seule fois, je tiens quand même à vous préciser. Mais bon, on sait jamais, des fois il y a des petits malins qui se disent, tiens, je vais lui piquer sa carte cadeau, mais ça sert à rien puisqu'elle aura été utilisée. Est sûr de vouloir utiliser ce code pour cet utilisateur et ne peut-être utiliser qu'une seule fois? Oui. Et bam, nous sommes devenus Star VIP pour une semaine avec 20 diamants et 3000 Star Coins, ok. Alors, on termine. On va casser le petit cochon, ça fait toujours plaisir. Et voilà, donc voilà, bah, cette vidéo elle est terminée. Ça sera un petit peu pour remercier les personnes qui sont arrivées jusqu'au bout de cette vidéo. Maintenant je vais expliquer pourquoi j'ai fait cette vidéo, parce qu'il y a des gens qui vont me dire « Oui, c'est bien, elle écoute ta vidéo, mais moi je peux pas, j'ai pas de t-shirt, j'ai pas ci, j'ai pas ça, j'ai pas de Starcoin. » Je vais quand même vous dire pourquoi j'ai fait cette vidéo, parce que moi tous les jours je reçois des personnes qui me disent « Oui, mais je peux pas, machin, je veux un t-shirt, machin, je peux pas faire les techniques, etc. Comment que je fais, etc. » En fait c'est un petit peu aussi pour vous booster. Et vous demander de un peu plus vous prendre en main, les gars, oui, vous prendre en main et d'aller faire tous les jours les bounties qu'il y a dans les chambres pour récupérer des starcoins. Parce que bon, 5 starcoins plus 5 starcoins plus 1 starcoin plus 15 plus 20 plus 30 plus 10 plus 100, etc. Petit à petit, ça vous arriverait à économiser 50 000 starcoins. Je l'ai fait, rappelez-vous, une fois, je crois que c'était en live en plus, j'avais créé un compte qui n'était pas VIP. Et où je n'avais pas accepté d'amis justement pour pas que vous puissiez m'aider, pour pas que vous puissiez m'envoyer de salutations parce que je vous connais les gars, hein, parce que vous êtes super sympa avec moi, même des fois un petit peu trop. Et au final, bah, j'ai réussi à ramasser, je crois, 30 000 starcoins en moins d'une semaine. Donc en gros, les personnes qui se plaignent énormément de ne pas pouvoir faire cette technique, que ça sert à rien que je la montre puisque de toute manière... vous ne pourrez pas la faire, bah si les gars, vous pouvez la faire. Et moi j'ai fait cette vidéo pour vous motiver, pour vous montrer qu'avec un t-shirt, vous pouvez déjà en une journée passer 12 niveaux, enfin 12 niveaux, enfin je dirais plutôt 9 niveaux sans les 3 premiers de départ, enfin bref, ou même plus, enfin 9, ouais allez 10 niveaux, parce que là, si j'aurais pas fait les premières quêtes de bas, je pense qu'on aurait même arrivé à 11 niveaux, enfin bref, vous m'avez compris. Pour que vous vous motiviez un petit peu, parce que c'est super important d'avoir au moins un t-shirt drip. Pourquoi je dis le t-shirt et pas la casquette? Parce qu'au final, le t-shirt sera plus rentable, puisque le t-shirt vous donne sans boost, sans rien, comme ça simplement, 5000 fame par échange, et la casquette c'est 3500. Et vu que vous êtes bridé, bloqué à 25 voire 26 échanges, si vous avez de la chance, des fois ça passe dans la journée, et eh bien c'est quand même plus rentable d'avoir un t-shirt qu'une casquette, ou d'avoir, même si l'animation c'est 4000 et compagnie, ou le short qui est à 40000, donc ça vous donne 4000 fame. Donc cette vidéo, je l'ai faite pour vous motiver, pour vraiment vous dire, les gars, vous pouvez le faire. Moi, j'ai réussi. Bon, je suis pas allée au bout jusqu'aux 50 000 starcoins parce que j'ai pas eu le temps. Mais bon, moi aussi, je suis un cas à part. Mais franchement, vous, les gars, qui jouez à Movie Star Planet tous les jours, il y a des gens qui ils m'ont dit, oui, je pouvais pas avoir le t-shirt, alors que deux semaines après, ils sont venus me voir et ils avaient toujours pas d'argent, etc. Vraiment, motivez-vous. Malheureusement, on ne peut pas offrir de l'argent d'un compte à un autre, ce qui est dommage, mais en même temps qui serait peut-être un peu cheaté. Parce que bon, personnellement, je vous aurais offert plein de starcoins pour vous aider si je pouvais. Malheureusement, on ne peut pas donner des starcoins. C'est pour ça qu'en attendant, j'essaye de vous offrir régulièrement des drips.
Encore une fois, je vous demande éviter de me demander des visibles, des drips, etc. en commentaire, parce que ce genre de commentaires, je ne les lis plus, en fait, tout simplement, je ne les lis plus. Parce que les VIP, les gens qui connaissent ma chaîne, vous savez que de toute manière, les cartes cadeaux, je vous les offre en direct, en live. Et c'est en enchère, voilà, donc il faut venir régulièrement sur les lives pour gagner un code carte cadeau au bout d'un moment. Les drips, je suis un peu plus sympa et un peu plus ouverte, je les fais en tirage pour que tout le monde ait ses chances, même des nouvelles personnes sur mes lives, voilà, parce que j'estime que voilà, c'est un peu moins moins important peut-être qu'un VIP, parce que c'est vrai qu'un VIP, voilà, je mets de l'argent quand même pour vous offrir les VIP, c'est quand même de l'argent investi dedans, qui maintenant, je vous avouerai, comme j'avais déjà dit une fois en live, je ne donne plus de ma poche, mais c'est grâce à YouTube que maintenant je peux vous offrir des cartes, hein. Moi je mets plus de ma poche, je vous le dis clairement. Mais voilà, c'est pas, cette vidéo n'a pas été faite dans le sens de vous narguer ou quoi que ce soit, mais vraiment de vous motiver. Voilà. Et j'espère que cette vidéo également aura fait un ou une heureuse, hein. J'espère que la personne qui aura gagné ce compte l'utilisera de la bonne manière, de la bonne façon. Et n'hésite pas à me contacter, la future Xena, histoire de me dire tu es qui. Peut-être que tu es quelqu'un qui vient régulièrement sur mes lives ou qui regarde régulièrement mes vidéos. Donc n'hésite pas à me contacter en message sur 15 à YouTube. Je regarderai les messages et je regarderai si tu m'as parlé ou pas. Et éventuellement, si tu peux me donner ton pseudo YouTube en message, que je sache qui tu es, voilà, t'es qui. Ça, si je tombe sur une personne que je vois régulièrement, bah, je serai super contente. Bah, si c'est sur une nouvelle personne qui viendra régulièrement par la suite, ce sera pareil, je vais être super contente. Enfin bref, voilà, j'ai mis le côté blabla à la fin de la vidéo, vraiment pour pas vous ennuyer, pour que les gens qui n'auront pas voulu rester jusqu'au bout, voilà, c'est pas grave, le plus important est en début de vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et dites-moi en commentaire également si vous souhaitez que je fasse un peu plus souvent des petites surprises comme ça dans les vidéos ou pas. Et sur ce, je vous laisse, je vous fais de très gros bisous, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Ciao, ciao!